Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode T-Shade. Dans cet épisode on va aller sur la côte du Rifland et donc du coup l'explorer. Maintenant qu'on a fini notre quête avec le vieux grognon, on a récupéré la bague en or, on a résolu une enquête, on a un canoë, on est trop bien. On est trop bien, on est trop refait. Et c'est cool. Alors j'ai testé la cascade hein. On peut prendre la cascade. Bon après c'est difficile de pas se coincer en bas hein. Ça reste un peu tendu. Donc mauvaise idée. Mais on peut le faire. Je vous le dis, j'ai essayé pour vous. C'est chiant, j'ai quasiment fait planter le jeu quoi. Mais non, c'est pas ça, faux. En bas. Ok, très bien. Bon, je vais passer par là. Vas-y, on va passer par là. Oh, ce vieux pont de bois tout claquos. Ah, faut avoir la foi pour marcher dessus. Hein. Je pourrais prendre mon vélo, mais vu que c'est une région qu'on n'a jamais explorée, on va se faire une balade à pied en fait. Hein. C'est ce qui me paraît le plus... Oh, une cagette. J'ai rien dit sur ce petit pont de bois. En fait, il était génial. C'est vraiment le plus beau petit pont de bois que j'ai jamais rencontré. Pourtant, j'en ai rencontré des petits ponts de bois. Ah, nouvelle plante locale. Très bien. Non mais par où je vais quoi, parce que si je vais par là en fait je vais pas par là mais c'est... Oh je reste là, voilà. Ça, je fais pas de choix. Choix de vidéo, on va regarder une pompe bleue. Ah, on va finir par là, on va continuer par ici. L'autre grosse bâtisse on la voit bien donc il n'y aura pas trop de soucis je pense. On ira. De poche à fleurs là. Je suis un peu en train de couper mais bon, on va faire le tour. Oh, non, on va suivre les chemins. Je vais faire ça bien. Je vais faire ça bien. Voilà. C'est un chemin. On est sur le petit chemin qui sent bon la noisette. Qui me rappelle soudain ce grand jour de fête. 3 pour 1 me prenez la tête. Et puisque je suis bourrin, je leur pète la tête. Ah oui, non, c'était pas des bourrins, c'était des gredins. Ah ouais, c'était... Oh, je sais plus. JBX. Sur reflet d'acide, bien sûr. Excellent. Si vous ne connaissez pas, excellent. C'est un truc de vieux, hein, par contre. Vous êtes prévenus à ce qu'on appelle une série audio. C'est un truc de fossile. Mais c'est cool. C'est un chef-d'œuvre. Il y a trop de végétation sur cette partie du Rifland. Du coup, ça rame. Ça rame de ouf. Bon, il n'y avait rien à voir à part un petit moulin nul. Vous pouvez même pas ouvrir. Je suis dégoûté. Il n'y a personne qui habite dans le coin. Je suis dégoûté. Hop. Tiens, je suis là. Circulons, circulons. Un petit panneau droit devant, on nous dit. Alors, plein de panneaux. On nous dit miam miam. Miam miam, c'est par là le miam miam. Et moi j'aime les pièges, donc j'y vais. Ah non, c'est une source. Oh nice, 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 nice. Oui. Oh oui. Oh oui.
Alors je crois que c'est là qu'il faut que je fasse tac, genre je clique sur une fiole vide. Yes! Oh, je suis... Hein? Non mais relève-moi. Ok. Bonjour monsieur! Well, well! Come to lengthen your life, eh? That's a smart choice! These springs, well, you know about their magic, right? They'll make you live forever! Tell me, how old would you guess I am? 70 ans. Yes, yes, and that's because I'm always here. All day I'm in here, so I can live forever. N'a pas envie d'aller ailleurs? Oh, I know everything that's out there already. All I need now is to stay in here. Other smart people like yourself visit now and then. I'll tell you a secret. I'm actually 157 years old! Yes, I've seen it all. And who knows what else I'll see? Well, hear about, because I really can't leave the hot springs. One day I got sick. I felt the tenuous grip of life loosen, and I knew that I'd have to stay in here forever. I haven't set a foot outside this spring since then, and look at me now! 157 years old. God, tu sais que c'est vrai? Of course it is. I know the waters make me look younger, but I'm older than anyone else on this whole island. I'm so glad I found this place. D'accord. Bon. Eh ben, c'est un vieux content qui s'emprisonne ici pour gratter quelques années. Yoman, il faut l'accepter d'abord, hein. ça fait partie du jeu, ma gueule, hein. Ça fait partie du... T'as signé pour ça quand t'es né, hein. Mais bon. Le fun d'un vieux, quoi. Peur de la mort. C'est un jeu que je trouve toujours très... Bah, déroutant, en fait. Les gens ont vraiment peur de la mort. Hein. C'est fou, hein. Comment peut-on avoir peur de quelque chose d'inéluctable pour lequel on est programmé? C'est comme avoir peur de grandir, tu vois. D'avoir peur de vieillir, c'est inéluctable. C'est partie du schéma de notre vie, quoi. C'est dans notre nature profonde. Finalement, ce vieux, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel pour pouvoir rester en vie? Rien. N'est pas intéressant, c'est un vieux. Les vieux ne sont pas intéressants. Ok. Bon, revenons sur mon chemin. Ambiance. Hein. Ah. Il est 11h du mat. C'est l'heure de l'éclipse. Y a pas des petites herbes rouges ici là La mauvaise herbe, non? Non? Parce que ça m'arrangerait genre énormément. C'est un peu ma source de revenus principale. Un peu ma plus grosse source de revenus du monde. Même s'il est vrai que... Ah oui, bah d'ailleurs j'ai pas le choix, d'accord, je suis obligé de traverser par là. En mode, en fait, à partir de là, t'es en mode freestyle, quoi. Ok. Et ben allons jeter un œil à gauche, à droite. Là, on va vers Lindau. J'ai même pas regardé c'était quoi ces plantes que je ramassais là. C'est quoi la bleuette là? La bleuette que je ramasse. C'est de la cotivrée. Oh nice. Ah, j'ai donc débloqué la cotivrée, très bien. En même temps c'était logique, hein. C'était la seule qui manquait à l'appel.
de la petite côte ivrée. Voilà. Ah, on fait une petite session cueillette, hein. On visite, hein. On voit de quoi est fait tout ça. Intéressant. Alors d'après ce que j'ai compris, plage de sable grand. Okay. Bah, c'est magnifique. Du coup. Incroyable. D'après ce que j'ai compris, avec mon canoë, je peux aller à l'eau là. En fait. La barque. Mais complètement en fait. Ah non. Non, complètement pas du tout. Mais non! Mais non! Mais je t'ai mort, mais non! Oh, tu peux poser ton embarcation en fait, mais c'est bugué. Oh, je suis dégoûté. Allez, il faut pas cracher là. Il faut charger là. Le jeu est devenu fragile, souris. Eh ben, on dirait qu'on aura découvert une connerie, hein. Voilà. Dites-vous que je fais des conneries pour pas que vous les fassiez de votre côté. C'est toujours ça, au moins, qu'on gagne. Ah mon dieu, on n'a rien fait dans cet épisode, c'est génial. Bien, au moins, je vous remercie, c'était que ma fonction comme d'habitude du gaming, et puis je suis désolé. Je suis désolé pour ce échec qui est devenu tellement instable. Je vous fais des bisous. Ciao.